Et bien salut les amis, c'est Clopio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, pour l'épisode 3 de ma série L'Incroyable Ronaldo 99. Donc les gars, on se retrouve avec nos 3 nouveaux joueurs. Alors pour ceux qui vont tout de suite dire oui, normalement tu aurais dû acheter Sanchez, Sif. Alors ok, c'est la règle normalement. Mais comme c'est le bordel sur FUT et que je vois que les joueurs ne se revendent pas, si c'est pour que je perde 500 000 crédits au bout du compte, c'est pas le but non plus. Je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, mais c'est pas grave les gars, comme il y en a qui vont me le dire, pas grave, t'inquiète, Clopi, fais comme tu le sens, c'est ta série, je prends en compte déjà vos avis les amis. Donc voilà, Di Maria que je me suis déjà fait couiller parce que son prix a baissé, Agüero c'est la même chose, et Sanchez que j'ai en dans l'équipe, les 3 nouveaux. On a mis Pentecôte sur le banc et puis j'ai changé de dispositif, on a pris un 4-3-3-4 avec toujours Ronaldo Totti en haut à gauche. Et puis je pense que là ça peut le faire, et puis on se retrouve pour ce match de l'épisode numéro 3 les amis, j'espère que ça vous plaît, à tout de suite. Donc c'est parti les gars pour cet épisode numéro 3, j'espère que ça va vous plaire et j'espère qu'on va remporter le match tout simplement. Non non, ça c'est chaud avec mon équipe, c'est chaud de faire ça, ah mon gars. Zen les amis, zen, ne stressez pas, c'est tout simplement les serveurs foot. On se retrouve pour un autre match. Pas mal, l'ouverture du score d'Antoine Griezmann. Gareth Bale. Le centre de Bale, non, non, ça passera pas ce face. Qu'est-ce qu'il nous fait? Vous voulez faire une petite crise de Kung Fu ou que passe? Let's go, Agüero. Vas-y, il est parti, tranquille. Ah, Ronaldo! C'est vraiment magnifique ce jeu. Les gars, franchement, rigolez. J'espère que vous avez rigolé au moins. J'espère que vous avez rigolé quand vous avez vu cette action. Parce que là, il y a de quoi faire. Hein. Ah voilà, et ça rentre. Le premier poteau, l'angle est fermé, ça rentre. C'est tout à fait logique, hein. Franchement. Chapeau, applaudissements. C'est bon, il n'y a pas de soucis, les mecs. Il n'y a pas de soucis. Plus de parfait de mal avec Griezmann. Hop, hop. Encore, frappe. Ça va rentrer, ça. Il est chaud. Mon gardien, en fait. J'arrête, j'ai pas de mots. Mais mon petit, faut courir avec le ballon, sinon c'est chaud. Neymar. Oh là là, il va faire le beau gosse aussi. Waouh, waouh. Il y arrive en plus. Encore s'il frappe à l'autre poteau, je comprendrais que ça rentre. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais là, au premier poteau, l'angle il est fermé. C'est bizarre quand même que ça rentre aussi facilement. Cette accélération de CR7. Non, mais non, faut que ça rentre à un moment donné quand même. Je m'arrête dans le tas, frère. Il y a du monde. Il y a du monde, version 2. Il y a CR7. Là, il y a but. Il change, genre. Regardez juste. Parlez pas. C'est tout. Putain, ça lui revient dans les pieds. Mais il est sérieux. Je défends bien, ça lui revient dans... Je me fais humilier là. Quand tu vois à la mi-temps qu'il y a 8 tirs cadrés, qu'il y a 5 tirs cadrés partout et que lui il en a mis 4 et moins 1, il y a un problème quoi. Et vous pouvez dire que je rage, il n'y a pas de souci les amis. Clairement, il n'y a aucun problème. Vas-y Ronaldo, cours tout droit maintenant, je m'en fous complètement. Qui c'est qui me rattrape, carnaval là? Va retourner te déguiser toi. Oui, CR7, il est là en bas, il est pas en jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu. Là, faut qu'elle rentre. Merci quand même. Il y a un minimum. Il y a un minimum, faut que ça rentre. Ouais, Bale, tu la mets pas, il n'y a pas de mur. C'est pas possible, il n'y a pas de mur.
faute. Un petit peu quand même. Hein. Encore. Oui, bien joué. Di Maria. Allez, donne-la, Ronaldo. Non, mais... Il n'y a pas de faute, là, peut-être, sur Ronaldo. C'est moi qui fais la faute. Mais arrêtez, s'il vous plaît. C'est même plus drôle, en fait. À la fin, c'est plus drôle. Ça peut être marrant, 5 minutes, la petite blague, et tout. Mais là, c'est la... Précision, Agüero, je te cherche la stat, putain, en précision. Ouais, c'est un peu, je fais des erreurs. Ah, mais c'est dommage, ça serait vraiment dommage que ça lui revienne pas dans les pieds. Hein, parce que là, franchement, pour le coup. Mon défenseur voulait marquer contre ce camp. Je comprends, hein, il a envie de marquer, que ça rentre pas dans un but, il essaye dans l'autre. Ça, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. Hein. Ouais, là, ça pue. On parie combien qu'il fait la passe but. Ah, parce que ça peut être marrant. Ça montre vraiment la. Comment on dit ? La qualité de mon adversaire. C'est pas comme ça qu'on dit, mais vous m'avez compris. Le niveau, ça montre vraiment le niveau de mon adversaire, quoi. Le mec, il a 4 face au goal. Il l'a pas mis. Ça, je dis rien. Mes défenseurs sont obligés de se contrer. Et voilà. Je vais vous laisser ce match, les gars. De toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Je perds 5-2. Les stats parlent d'elles-mêmes. Vous allez voir à la fin. Hein. Moi, je me plains pas, mais il faut pouvoir arrêter de me dire qu'il n'y a pas un problème à ce jeu. Il y a un gros problème dans le jeu. Ronaldo, il allume des pets au goal, des boulets de canon, mais non. Il fait juste comme ça, l'ordinaire. Il bouge pas plus, il l'arrête. C'est tout à fait normal. Franchement, il est tout à fait normal. Donc, défaite 5-2. On va devoir faire de nouveaux achats. C'est pas trop mal, d'ailleurs. Après, on va devoir acheter Neymar, que j'ai déjà. Griezmann, je vais pas le prendre en boosté parce que je ne prends pas le joueur boosté. Parce que voilà, si Marco fait perdre 15 millions de crédits, c'est pas la peine. Ah bah Neymar qui m'a mis un triplé, d'accord, il m'a mis cher. Donc Neymar et Griezmann vont faire leur apparition de la future équipe, les amis. En attendant, je vais juste vous montrer les stats. Donc j'ai pas honte d'avoir perdu 5-2. Voilà. On va se quitter là-dessus. Après, vous pensez ce que vous voulez, les amis, y a pas de souci. J'espère que vous avez kiffé cet épisode numéro 3. Bien sûr, on va se retrouver très vite pour l'épisode numéro 4. J'espère que ça vous plaît cette série. N'hésitez pas à partager avec un maximum de personnes, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Les gars, vous connaissez la musique. C'était Clopy, prenez soin de vous. Bye tout le monde.